Hey, salut, salut à tous. J'espère que tout le monde va bien. Personnellement, ça va bien de fou là. J'ai bien dormi, j'ai mangé. Je vous mets la scène. Pour l'instant, je vous mets ma cam parce que aujourd'hui est un grand jour, comme on dit. On va partir pour un stream Terraria. Bah, allez, c'est le moment. Il faut péter. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Déjà, alors je suis sur du coup le Team Mode Loader. Donc on a pas mal de modes qui donnent... Alors du coup le plus gros mode c'est Calamity Mode parce que il change littéralement quasiment tout le jeu on va dire. Il rajoute beaucoup de mobs, beaucoup d'armes, beaucoup de boss et c'est notre mode principal. Maintenant tous ceux que j'ai rajoutés, donc Heroes Mode, Magic Storage, la Ore Excavator, c'est des modes de vie on va dire. Je sais pas comment vraiment vous expliquer ça mais de bien aisance dans le jeu, je sais pas trop comment dire. Alchemist NPC, Ore Excavator, Heroes Mode, Magic Storage, Boss Checklist, Calamity et... La musique de Calamity. Eh ben on est parti, écoutez, j'ai hâte et en même temps je suis un peu perturbé. J'appréhende le mode. J'appréhende beaucoup le mode Calamity. J'ai très peur de ce que je vais me prendre dans la gueule. Ça peut faire très très mal Calamity en vrai. Sur la difficulté à ce qui paraît, vraiment beaucoup plus dur que genre le expert dans le Terraria normal. Donc bon, on va voir. Hein. Je pense que je vais mettre en classique déjà. Sinon je vais rager trop facilement en fait. Après en termes de coiffure et tout, les mecs, je vais être le mec par défaut je pense. Ouais, je vois, je connais le bail. On va partir sur expert. Hein. C'est parti. Alors oui, il va falloir que je... Waouh. J'ai droppé mon épée déjà, ça commence mal les mecs. Waouh, les mecs, je suis dans un biome carmin. Genre, je veux... En fait, non. J'ai pas mes touches. Je suis en QWERTY là. Comment on mine déjà sur ce jeu? Je m'enterre, bonne chance à mon PNJ. Voilà. Alors, il y a une nouvelle interface pour les succès. Avant, c'était pas du tout là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Terraria. Le truc, c'est qu'en fait, je vais me faire totalement mêler en fait, genre... Et du coup, en fait, si je mine ça... Mais je peux pas le miner en fait, j'ai pas le niveau encore. Faut que je trouve un truc à miner pour tester. Le truc c'est que je suis au beau milieu du carmin genre. Démon spawn. Non ça en vrai c'est pas cool Terraria ce que vous faites. En fait sortir c'est peut-être du suicide là quand même. Du coup avec ça je crois que je peux me give des items etc. Mais du coup c'est de la triche littéralement. Mais ça peut être pratique si j'ai des bugs. On va fermer ça parce que c'est un peu le god mode on va dire. Il fallait que je sois au beau milieu du carmin quoi. Le truc va être intuable là. C'est pas moi, je suis mort là. La galère avec les épées en cuivre. Ok, ça se fait. Le nombre de hits qu'il a besoin. Oh, let's go, je me fais help. Quel crack. Cadeau. J'ai looté un cadeau. C'est vraiment genre de la décoration, quoi. C'est quoi que... Oui? Wolfram Drone. Oui? Il va pas m'attaquer, quand même. Il va m'attaquer totalement. D'accord. 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 Je suis mort là. Parce qu'il y a cette boule là. Ah ouais. Ok, je spawn, je cours à droite comme un... À gauche? À gauche. Ok, il y a des trucs où Wolfram, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que tu veux toi aussi. Ça, je connais par contre, là-dessous, il y a du boss. Oh oui! Je suis enfin libre du carmin. Oh oui, un arbre. Ok, ça, je m'y connais. Ça, là-dessous, il y a à manger. Ah mais j'ai pas un pet de torche. Est-ce que je peux en crafter du coup? Alors, comment marche bah, mon truc de récip? Ah, c'est pas mal. Une petite torche, donc il faut du bois et du slime. C'est vrai que c'est comme ça. Et j'ai 8 de slime. Ok, je crée des torches. Je me fais au mode et ils sont vraiment bien en vrai. Starter bag. Putain, j'ai un starter bag. My bad. Ok. Il y a pas mal de choses. J'ai de l'étain. Genre, j'ai un start full étain. Bon, on est bien. C'est bien. En vrai, je prends tout au début de jeu. Un boomerang. En fait, prendre les coffres, ça peut être une bonne idée aussi quand même. C'est vrai que j'ai un arc. Bon, j'ai pas de pioche. Enfin, elle est là. Et mon sceptre, il... Ok, bon. Je prends absolument tout. Il y a des verres. Ça, je peux déjà l'équiper. 5 de vitesse de déplacement. Et j'ai un défense et damage reduction. Pas mal. Let's go. Alors, est-ce que j'ai des trucs encore en bas? Oui. Mais putain, il y en a beaucoup. Alors, oui, vous êtes qui? Des nains? Des nains. Je me fais attaquer par des nains. On va juste remonter et se faire un petit abri. Parce qu'il serait temps de se protéger à l'extérieur. Là il commence à faire nuit, ça me rassure pas des masses. Citrouille, ok. Il y a beaucoup d'arbres, en vrai c'est abusé. Elle est où ma terre? Là. Pour éviter qu'un zombie quelconque rentre. Une racaille. Ok du coup là si j'appuie sur X. OMG. L'éjaculation. Est-ce que je vais me faire mêler par des gnomes encore ou c'est ça va là? Ça a l'air d'aller. Radar. C'était un éclair ça ou un coup de feu? Pardon. On va l'équiper, hein. De toute façon j'ai que ça, donc... Encore une porte.
Ouais, non, mais. Et oh, y'a un gnome! Un nain! Ça me fait trop rire par contre, les nains. On va se dire. Sceptre pinçon. Avoir un petit pinçon. C'est quoi un pinçon en fait? Ça a l'air trop mignon, mais c'est peut-être. Oh, c'est un petit oiseau! Attends, mais c'est le désert là, non? Je veux me faire une maison, s'il vous plaît. Ouah, wow, l'éclair, c'est bien fait de ouf! Trop bien. Est-ce que j'essaie de mêler un... des petits zombies là? Oh, je me bats avec mon petit oiseau. Et mon oiseau, il gère de fou. Hein. Il DPS en vrai. Hein. Mais en vrai, il fait plus de dégâts que moi, mon oiseau. En vrai de vrai. Des fois, les zombies ne se battent pas contre moi. Ils ont peur des oiseaux. Oh. Aïe. Douleur. Arrêtez de sauter. C'est bon, un moment. Bah vas-y. Bah vas-y. Bah allez-y. Vous voulez jouer à ça? C'est qui lui? Je vais me balader en sous-sol. Hein. Oh. J'avais pas vu celui-là. Oh putain. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Je vais descendre là, hein. Vas-y, on va se faire un... Ok. Ok. Ça, c'est les boules qui m'ont traumatisé, ça, je me rappelle. Oh, il y a un coffre. OMG. Je suis pas aveugle. Je l'ai vu. Ah oui, j'ai un boost de projectile, là. C'est pour archer, ça. Tungstène, c'est bien, ça. C'est bien, ça. D'accord, ça a l'air bien, ce truc, là. Silent Luxor Gift. En fait, le truc, c'est que j'ai de la chance pour les trucs que je me rends pas compte que c'est broken, en fait. Ça veut dire, avec mon arc, ça marche, là. Wesh. Bah, je crois que ça va jouer Ranger, hein. Ouah, je délète le monde, frère. Oh, il y a plus de game. Il y a plus de game. Bah attends, mais c'est trop facile, là. Il y a qu'un seul coffre dans le jeu avec cette histoire. Non, arrête. J'ai pas looté un bail comme ça, là. À ce point, j'ai looté un banger comme ça, là. Genre là, vous êtes en train de crier derrière vos écrans, là. Ça me double mes DPS, en fait. C'est une dinguerie. Oh non, il y a la fameuse boule. Je tombe pas dessus là. Non, 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 non. Pas les flashbacks du Vietnam. Tout va bien. Safe. Il y a du monde là. Hein. Pas des petits DPS que ça tient. Oh, les doses que je mets, je suis trop fort. Je suis trop fort au jeu en fait. Bon, je sais pas où est-ce que je vais, mais j'y vais en tout cas. Donc, let's go. Ah non! Tiens, 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 vous m'avez pas manqué, vous. Waouh, 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 un moment, c'est bon. Ça DPS, ça DPS. Oh! Hey, hey, hey! Attends, ah, je me suis fait hit par la larve quand je suis tombé. Open. Y'a pas de coffre là-dedans, là? Ok, petite citrouille. Mais y'a tellement d'arbres. Non, en vrai, c'est une dinguerie, y'a tellement d'arbres. Fais un challenge. Oh là là. Oh, ça me fait peur. Moi, les challenges comme ça, toute la classe trou mêlée. C'est quoi trou mêlée? Quel est le challenge dans le fait de jouer cette classe? Parce que genre, j'ai vraiment que des bails de mêlée, genre. Je dois toujours jouer au corps à corps, collé au boss. Ouais, non, c'est abusé. C'est terrifiant, cette classe. Il va falloir que je commence à établir une maison et tout. Hein. Non, en vrai, je suis en train de vraiment de me balader. En vrai, c'est pas mal que je me balade. Je tombe sur pas mal de coffres, donc on est rentable. Mais il faut vraiment un moment que je me pose, quoi. Oh, mais les orages et tout, je trouve c'est terrifiant. Et là, la cerise sur le gâteau, je tue un mob et je loot une clé. Les fameuses clés giga rares, là. Ce serait pas mal drôle, quand même. Ok, je prends. Non, c'est pas des orages, non, vraiment. Non, c'est quoi cette merde? L'orage gronde, le tonnerre. Encore un arbre. Deux arbres, même. Oh, la glace. Non, pas une tempête, par contre. Ça, c'est relou de ouf. Je commence à avoir pas mal de stuff looté dans les coffres qu'il faudrait que j'aille entreposer dans des... bah, mes coffres à moi. Qu'est-ce que j'ai entendu, là? Chacal, c'est quoi ces bruits là? What the fuck is this? C'est du metal scrap! Des munitions? Ça doit être des mobs de Calamity ça. Moi je pense que c'est pas un truc que je dois m'attarder dessus, je vais en looter pas mal. Qui me fait des dégâts? Là y'a un monde où je me noie, hein. Premier degré. Non, non! Parce que là mon oxygène descend gigabit quand même. On en parle pas assez. Aïe. Mais je l'avais même pas vu. Je suis terrifié. Et mon oiseau est en train de mêler le petit truc là. C'est aberrant. Alors, qui est là? Il y a une sorte de truc, je sais pas ce que c'est. Oh, une étoile filante, ça date! Ah non, 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 non. Change d'arme. On canarde, on canarde. Je suis stuck. Ça me fait des golds, ça me fait des golds. Ouais, Calamity, ça va être dur de ouf, tu vas voir. Eh, là, je mêle tout le monde, frère. C'est quoi ça, par contre? Oeil de démon. Ah, il tank, celui-là, non?
ça va. Ah si, un peu en vrai. Là, j'y vois rien. Déjà, le jour où je suis à court de flèches. Oh là là, le jour où je suis à court de flèches. Ok, je pense qu'on va s'installer par là. Il y a un désert juste à côté, non. Après, peut-être je serai au moins entre glace et désert. Oh, c'est quoi ce bail? C'est vrai que j'ai le karma et le corruption. Putain, j'avais oublié qu'ils existaient ceux-là. Oh, ils sont beaucoup là. Mettez-moi des torches, comme ça je vois quelque chose. C'est quoi, il y a un corbeau? Ok, je l'ai eu. Mets-le toi un sac. Sac surprise. Let's go. Il y a du monde, hein. J'ai plus de flèches. Les mecs, c'est la fin pour moi. Donnez-moi mon sac surprise au moins. J'ai eu. J'ai balancé tous mes petits bâtons, mais je l'ai eu. Qu'est-ce que je serai, hein? Putain, il est trop fort. Je l'ai bu, mais je voulais pas l'avoir. Oui. Je... Ouais. Ah oui. Oh, la taille du slime. J'ai plus de flèches, c'est vrai. Mais le corbeau, il m'a... Oh, mais il y a... Ah, mais il y a mon frérot, là. Voilà. Alors... Oh, ça a explosé là. J'ai level up sur une arme. En vrai, j'ai beaucoup de choses en fait. J'ai l'impression que tout peut être utile en fait. Ça, je peux le consommer déjà. Bah, ça va couper des arbres comme un malade. C'est la hache qu'il faut. Je savais plus comment jouer à rien. Genre, ça, c'est un coffre en fait. Oh putain. Pourquoi ils sautent grave haut les slimes des fois? Ouais, c'est quoi ce saut? Je vous laisse, je vous mets la scène de fin, je vous dis au revoir. Je vous souhaite un bon jeu, une bonne nuit, un bon appétit à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, je vais aller boire de l'eau dans ma gourde de fou furieux. Je pense reprendre l'aventure Terraria demain, parce qu'on a quasiment rien fait, j'ai juste looté un truc de fou et fait de l'exploration. Mais on va avancer dans le truc sûrement bientôt et tout. Donc, ça a l'air intéressant les modes ont l'air intéressants. Voilà, allez, des bisous tout le monde.